Timon. Je m'en vais, votre honneur. Je suis navrée pour le dérangement. Je vous remercie beaucoup. Deux fois. Au revoir, Nissan. Alors, est-ce que la défense a d'autres arguments à présenter? Je me permets de rappeler à la cour combien mon client ici présent a fait preuve d'héroïsme au sein de la police de Santa Barbara à plusieurs reprises. Je crois que cela mérite. Votre honneur, je ne contesterai pas ce que vient de dire Mademoiselle Wainwright. Toutes les récompenses du monde ne changeront rien au fait que le prévenu Castillo a essayé de s'échapper. Est-ce que la défense désire présenter de nouveaux arguments afin d'étayer un peu plus sa demande? Non, votre honneur. Veuillez vous lever, monsieur Castillo. Monsieur Castillo, j'espère qu'à l'avenir, vous n'essaierez plus de vous évader de la prison. Ça n'est pas comme ça que vous prouverez votre innocence. Il y a des lois dans ce pays. L'ancien policier que vous êtes les connaît. Vous devez sans doute savoir aussi que les droits du prévenu sont reconnus. N'est-ce pas? Alors après avoir examiné tous les faits qui m'ont été présentés, je dois rejeter votre requête. Votre procès aura donc lieu dans les délais prévus. L'audience est levée.